monsieur, réveillez-vous. Hé, hey, monsieur. Monsieur, réveillez-vous. Le clochard qui a assassiné ce pauvre gosse l'a fait dans des conditions atroces. Ça m'intéresse, monsieur le procureur. Franchement, mademoiselle Larieux, je ne comprends pas pourquoi vous voulez vous charger de ce dossier. Le président du tribunal s'apprêtait à désigner Moretti. Francis Gerbeau a été mon professeur de philo en terminale. Il a vraiment été enseignant? Vous avez vu le sac des poètes disparus? Oui. Eh bien, il était comme le héros du film. Il avait le même enthousiasme. Eh bien, dites-moi. Il nous a toujours encouragés à être nous-mêmes. Je pense que je suis devenue juge d'instruction grâce à lui. En quelque sorte, vous voulez payer une dette? Non, je veux simplement comprendre comment un tel homme peut se retrouver dans la peau d'un clochard doublé d'un assassin, c'est tout. Mais nous pourrions avoir là un petit problème déontologique. Vous avez connu le suspect. Oh, mais pas à titre personnel, j'étais une de ses élèves parmi 25. Puis franchement, qui le saura? Mademoiselle Larieux, quand vous pénétrez dans mon bureau, pourquoi faut-il toujours que ce soit pour me poser un problème? Il y a des pays où les juges ne posent jamais de problème. Lesquels? Les dictatures, monsieur le procureur. Vous occupez de Gerbeau, là, le procès n'est pas d'accord. Mais vous m'espionnez, Colin, ou quoi? Oh non, c'est juste que les flics adorent les histoires de juges, et inversement, vous savez bien. Ah. Eh ben, le voilà, votre Gerbeau. Il l'emmène au dépôt. Monsieur Gerbeau? Je suis Florence Larieux. Et alors? J'ai été une de vos élèves en terminale B en 84 à Poitiers. Vous êtes devenue flic? Bravo, quel succès pédagogique. Je ne suis pas flic, je suis juge et je vais instruire votre dossier. Vous n'aurez pas trop de boulot. Parce que vous l'avez vraiment connu comme prof? C'est un type formidable. Je n'en reviens pas de le retrouver comme ça. Ah ben, je vous comprends. Moi, personnellement, j'aimerais pas le croiser dans un couloir. Hein. Vous avez du temps? Comment? Il faut m'emmener là où ça s'est passé. Là, maintenant? Maintenant. La bande y va, quoi. Merde, fallait prendre la droite du panneau, là. C'est la deuxième fois que je me plante. Mademoiselle Larieux, le juge chargé de l'enquête. Bonjour, messieurs. Bon. Eh ben, respirez un bon coup, après vous. Eh ben, j'arrive pas à croire que ce mec était prof. Qu'est-ce qui a pu lui arriver? J'aimerais bien le savoir. C'est pas croyable. Ouais. Il était normal quand vous l'avez connu ou déjà? Non, non. Ce qui est plus normal. Tiens, regardez, Francis Gerbeau, critique d'une dialectique bourgeoise. On a travaillé ça. Attendez, parce que c'est lui qui a écrit tous ses bouquins? Ouais, mais il était très brillant comme prof. Socrate dans la cité. Tiens, là, ça doit être lui, enfant. Oh, je le crois pas. Descartes, c'est marrant, ça me rappelle des souvenirs. Ah, vous connaissez? Un peu, ouais. C'est là où je suis né, rue Descartes, à Montlhéry. Ah oui, bien sûr. Oh, ça va, je déconne, je sais qui c'est quand même, Descartes. Ouais. Je sais que vous savez qui c'est, Colin. Hein? Parce que vous êtes un puits de science. Merci. Bon, on continue la visite. Le gosse a été trouvé là, sur le dos. Gerbeau a dû sortir le tuer, puis rentrer sa palée dans son trou pour tuer son vin. Pas très logique, il aurait pu chercher à s'enfuir. Oui, alors ça, vous savez, les alcoolos, c'est comme les toxicos, faut pas chercher à comprendre. Qui
Qu'est-ce qu'il est venu faire là, ce gosse? Peut-être qu'ils se connaissaient tous les deux. Ça, c'est Gerbeau qui a les réponses. Qu'est-ce qui a bien pu se passer entre eux? Ça outil. C'est pas vrai, regardez. FG. Attendez, FG, mais c'est les initiales de Francis Gerbeau, ça. Ah, c'est plein de sang. Oh putain. Regardez-moi ça. Ça me tue, ça. Les collègues ont fouillé tout le tour de la maison, mais alors jusqu'ici, ça leur est pas venu à l'esprit, là. Ouais, ça veut dire que Gerbeau aurait assassiné le gosse, dispersé ses outils, puis après, il serait allé se rendormir. Enfin, ça a pas de sens. Eh ben, écoutez, on touche plus à rien. Moi, j'alerte la crime tout de suite. Hein. Là, vous souvenez dans le passé de Gerbeau, en 83-84, il était prof de philo. Alors il me faut une enquête de voisinage, sa vie privée, voilà, totale quoi. C'est l'habitude, non? Le voilà. Entrez! Détachez-le, s'il vous plaît. Dangereux, madame le juge. Il s'est battu avec un type au dépôt. Ça va, détachez-le. Merci, vous pouvez sortir. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Vous aussi, monsieur Morin, vous pouvez sortir, s'il vous plaît. Oui, oui. Vous voulez boire quelque chose? Un verre d'eau, un café? Un pouce café, non. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Gerbeau? Je me suis réveillé, j'avais 10 flics sur moi, ils m'ont traîné dehors, il y avait un corps là, devant la maison. Ça, je le sais. Je voulais dire qu'est-ce qui s'est passé avant. La dernière fois que je vous ai vu, c'était à Poitiers. Je venais d'avoir mon bac avec un 18 en philo, grâce à vous. J'ai quitté un prof brillant, un homme généreux, et je vous retrouve en tailleur de pierre, alcoolique et assassin de surcroît. Je comprends pas. Et vous, ici, en face de moi, expliquez-moi. J'ai rien à expliquer. Même si vous devez vous retrouver dans la peau d'un criminel. J'en ai eu marre des concepts et des théories fumeuses. Ça vous suffit comme explication? Pas vraiment. Pas venant de vous. Je vous ai vu apporter bien d'autres choses à vos élèves que la mort. Ça vous dit quelque chose, Benoît Rochal? Vos amis flics vous avez pourtant prévenu. J'aurais cassé 10 secondes, 10 petites secondes. Alors on appelle pas au secours. Ça va, mademoiselle Larieux? Oui, ça va très bien. Vous n'avez besoin de rien? Non, merci. Florence Larieux. Toujours aussi insolent. Je ne supporterai pas une autre tentative de ce genre, monsieur Gerbeau. Vous avez retrouvé ma trousse et mes outils avec mes empreintes dessus. Ça vous suffit pas? Tu es déjà jugé, non? Si vous persistez à ne pas prendre d'avocat, c'est sûr. Un avocat? Vous me faites rire. De toute façon, vous en aurez un commis d'office. Regardez bien mon front. Il y a écrit tueur d'enfants. 30 ans incompressible. J'ai pas une chance sur un milliard. Allez, ramenez-moi dans ma cellule et bouclez votre dossier, c'est ce que vous avez de mieux à faire. C'est fini pour aujourd'hui. Vous pouvez l'emmener.
bouquins. Ils vont les jeter ou les détruire. Ne vous en faites pas, je les ai récupérés. Merci. Oui, je l'ai lu. Enfin, bonjour quand même. Bonjour. Évidemment, vous l'avez mis au panier. Mais jamais de la vie. Je peux même vous dire que le petit Rochelle est mort entre 6h et 7h du matin. Une mort foudroyante. Pourtant, on a continué à lui porter des coups au cœur. 9 fois, pour être précis. Le type qui a fait ça, c'est un fou ou un sadique. Et vous n'avez pas retrouvé de traces d'alcool ou de drogue? Non, rien dans son sang, rien dans ses viscères. Par contre, j'ai un doute sur l'endroit où on a retrouvé le corps du gamin. Et un vrai doute. Ça, je l'ai pas lu dans le rapport. Malheureusement, on peut pas tout mettre dans les rapports. C'est pour ça que je suis heureux de vous rencontrer. Sur ses vêtements, j'ai relevé également des traces d'herbe, de terre, de la poussière, du plâtre, des toiles d'araignée. Bah alors quoi, il serait mort dans la maison de Gerbeau? Mais le labo, il a rien dit là-dessus. Il faut bien que les médecins légistes servent à quelque chose. Et puis vous devriez venir me voir plus souvent. À la morgue? Il n'y a pas qu'à la morgue, on peut se voir. Si vous voulez. Un papillon. Non, un avion. Rejet de la planche, blocage systématique. Vous connaissez bien notre Bible, monsieur Gerbeau. Vous devez donc savoir que nous pouvons aussi interpréter votre interprétation. On continue? S'il vous plaît. Très bien. Une réponse de philosophe maintenant. Nous sommes dans le monde sous-marin. L'écran fond. Ou bien, on pourrait voir aussi apparaître le visage de Sigmund Freud, découvrant l'existence de l'inconscient. Ah, la psychanalyse, quelle belle et noble invention. Tout y est sexuel, tout est lié au coït fondamental. C'est Florence Larrieux qui vous a désigné comme expert? Oui, pourquoi? Tout va toujours par deux. Masculin, féminin, Bonnie and Clyde, Astérix, Obélix, monde visible, monde invisible. Vous croyez aux fantômes? Aux fantômes. Moi j'en ai marre. Je voudrais arrêter. Vous trouvez pas qu'on va un peu trop loin là? C'est l'intérêt de l'Empire qui passe avant tout, non? Nous on est rien. Compte pas. Faut rester calme, solidaire, ok? J'ai peur de tout ce qu'on fait maintenant. Le jeu s'arrête pas. On peut en sortir qu'avec mon accord. Celui d'Andara. C'est le scénario, non? Qui t'a donné ton autorité? T'oublies ta condition pour me parler comme ça? Je suis le grand prêtre. Investi par Andara elle-même. Et si t'es pas d'accord, elle est là, vas-y. T'attends? On est tous liés par le secret, ok? On a un seul d'entre vous qui parle, on est tous foutus. Vous avez compris? Benoît, son père est mort en voiture il y a 10 ans. Alors je l'ai élevée toute seule. Et puis plus tard, il voulait être ingénieur en informatique. Il sortait beaucoup? Non, il fallait que je mette dehors pour qu'il se change un peu les idées. D'après vous, il connaissait Francis Gerbeau? Mon petit Benoît, comment voulez-vous qu'il connaisse cette ordure, ce monstre? Jamais. Jamais. Je sais pas pourquoi il a tué mon enfant, ce type-là. On était très proches, vous savez. Il avait deux passions. L'informatique et... ses copains de la bande. Quelle bande? Rien que des jeunes de la bonne société. Et auriez-vous remarqué quelque chose ces derniers temps concernant Benoît? Je
pas, un changement d'attitude, une transformation de son caractère. Je sentais de plus en plus éloignée de moi. Ça peut pas cacher grand-chose à sa mère. Et pourquoi il s'éloignait, je sais pas. Peut-être qu'il avait honte de moi. Pourquoi il m'a fait ça, ce type? Pourquoi il a tué mon enfant? Avec lui, vous comprenez? Maintenant, j'ai plus de raison de vivre. Sans Benoît, ma vie est finie, finie. Je vous remercie, madame Ange. La nuit où c'est arrivé, ils étaient tous ensemble. Benoît m'avait dit qu'il rentrerait tard. Je savais vous aider. Benoît, c'était pas ton copain. C'était le nôtre aussi. Tais-toi. Tais-toi! Allez, Claire. Faut que tu reviennes maintenant. Non. D'accord? Faut que tu reviennes avec nous. Plus jamais, tu m'entends. Plus jamais. Bon, c'est pas fini, là. C'est jamais fini. Tu me fais mal. Tu es prête? Oui, maman. Ben, faudrait peut-être se dépêcher, les enfants, hein. J'aimerais bien qu'on y aille. D'accord, mais passe devant, je te suis. Dépêchez-vous. Alors, tu vas à la convocation du juge, demain? C'est pas grave, c'est juste pour l'enquête. Tu seras pas toute seule, on sera tous là. Hein, on va pas t'abandonner. D'accord? D'accord, Claire? D'accord? Je veux pas y aller. Mademoiselle Monekal, je vous ai convoquée parce que je sais que vous étiez très proche de Benoît Rochal. Et grâce à vous, j'apprendrai peut-être quelques détails qui faciliteront mon enquête. Vous connaissiez Benoît depuis longtemps? Presque 2 ans. On s'est rencontrés dans une soirée à l'anniversaire de Thomas. Thomas Verdet? Oui, c'était son meilleur ami. Et vous avez commencé à sortir ensemble? Il n'était pas comme les autres garçons, Benoît. C'était quelqu'un de calme. On parlait beaucoup tous les deux. Et puis comme ça, petit à petit, ça me manquait dès qu'on n'était plus ensemble. Les autres se moquaient, mais nous, on s'en fichait. On était bien. Et d'après vous, est-ce que Benoît et son meurtrier présumé, Francis Gerbeau, se connaissaient? Non, ils se connaissaient pas. Ah, ils se connaissaient pas. Vous en êtes sûr? Oui. Et vous, vous ne le connaissiez pas non plus? Non. Mais... pourquoi vous dites présumé? C'est pas lui qui a tué Benoît? Si, si. Dans toute vraisemblance. Qu'est-ce qui s'est passé samedi soir? Essayez d'être le plus précise possible, chaque détail a son importance. Toute la bande, on est allé boire un verre dans un bistrot. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette bande? Et tout. C'est comme une autre famille, celle qu'on s'est choisie. Vous êtes si bien que ça entre vous. Mais pourquoi? C'est interdit? Non, non. Les parents, on peut pas tout leur dire, des fois ils sont largués. Tandis que la bande, elle est toujours là. Personne vous juge, c'est super. Puis surtout, on peut toujours compter l'un sur l'autre. Et après le bistrot, qu'est-ce que vous avez fait? On a pris les voitures pour aller se balader. Se balader où? Du côté de la rivière. Ça se passait bien et... puis vers minuit, je me suis un peu disputée avec Benoît. Il voulait... faire l'amour? Il a insisté. Il m'a énervée. Puis finalement, il est parti et j'étais bien contente.
j'avais su que je le reverrais jamais. Mais enfin, Claire, quand vous dites qu'il est parti, il est parti où? Il vous a rien dit? Je sais plus. C'est bien dommage que vous ne sachiez plus. Dites-moi, ça vous apporte quoi de venir à un enterrement? J'adore ça. Vous êtes ces questions, Colin, vraiment. Je m'explique pas la mort de Benoît ni sa présence sur le terrain de Gerbeau et j'arrive pas à établir s'il y avait un lien entre eux. Voilà. Alors en les voyant tous là, bah, j'en apprendrai peut-être un peu plus. Ouais. Vous pensez que Benoît Rochal n'était pas net? Mais j'en sais rien si Rochal était net ou pas. Ce que je sais, c'est que Rochal était un adolescent et que l'adolescence, c'est jamais facile. Ouais. Qu'est-ce que j'ai pu faire comme connerie, mais alors? Mais voilà, c'est ça l'adolescence. C'est le temps des bêtises, le temps des mensonges. Et des secrets aussi. À la droite du maire, c'est sa fille, non? Raphaël, ouais. Mignonne, hein? À côté, c'est sa mère. Et celui qui a le chapeau, là, c'est le père de Claire Manécal. Et le Jean Beaugosse, là? Thomas Verdel, fils du chirurgien. Grosse clinique, hein. Et les autres à côté, c'est Aline Angot, Pierre Ridois, Sébastien Flambet et Sophie Chevaux. C'est pas des enfants de pauvres, tout ça, je vous le dis. Hein. En tant que maire de cette commune, il y a de longs mois que j'avais attiré l'attention des autorités sur ce marginal qui a commis ce crime horrible. En vain. On voit aujourd'hui le résultat de cette lâcheté et de cette démission générale. Par conviction anarchiste, car c'est bien d'un crime politique dont il s'agit. Gerbeau a tué cet adolescent. Et c'est notre ville tout entière qui a peur. Benoît, en ton nom, la justice sera rendue. Messieurs. Fauvet Colombin. Alors celui-là, dès qu'il y a une connerie à dire, il est au rendez-vous. Un crime politique, non mais alors là, faut le faire. Ça va, Colas, c'est assez sinistre comme ça. Dites-moi, vous avez des nouvelles du fils et de la femme de Gerbeau? Non, enfin on sait qu'ils sont en Italie, mais où? Vous avez fait une demande de localisation? Ah bah quand même, j'ai interrogé mes collègues à Rome. Joignez-moi à la sortie du cimetière, je vais à pied. Mademoiselle Larieux. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Ma femme, Eliane Fauvet-Colombin. Bonjour. Nous avons un ami commun, François Stern, le psychiatre. Nous sommes au même club d'équitation. Oui, oui. Bravo, mademoiselle Larieux. Vous avez fait diligence dans votre travail. Vous tenez sous les verrous le responsable de ce crime odieux. Nous vous félicitons de votre rapidité. Nous? Ben, disons des parents qui pèsent un certain poids dans notre commune. Et qui s'inquiétaient pour la sécurité de leurs enfants. C'est légitime, non, après un tel crime? Je comprends vos préoccupations, monsieur le maire, mais il reste des points obscurs. Et lesquels? Gerbeau est un habitué de la violence, c'est connu.
Il s'est battu plusieurs fois dans notre commune avec des commerçants. Écoutez, si vous avez des pièces à verser au dossier, veuillez les communiquer à mon cabinet. D'autre part, j'aurais besoin du témoignage de votre fille et des amis de Benoît. Je comprends pas. Pourquoi mêler ma fille à ça? Quel rapport? Mademoiselle Larieux, je viens d'avoir la maison d'arrêt, Gerbeau fait du grabuge, j'y vous réclame. Excusez-moi. Il y a eu des mots avec un autre détenu, ça s'est très mal terminé. C'est Gerbeau d'une violence incroyable. Il y avait une raison à la bagarre? Vous savez, avec ce que Gerbeau a fait à ce jeune... Voilà, il s'est enfermé là. Je demande à vous voir. Je pensais que c'était mieux de vous appeler avant qu'on aille trop loin. Vous avez bien fait. Alors, vous en êtes où? J'essaie de faire tomber la clé. Merde, il s'est barricadé. Allez, dégagez le passage. Vous êtes sûr que vous voulez y aller? Il y a des choses là-dedans qui pourraient lui servir d'arme. Ça va, je connais Gerbeau. Il ne fera rien. Et s'il se passe quelque chose, je pense sur moi, d'accord? Moindre incident, j'interviens et pas avec des gants. D'accord. Faites-moi sortir d'ici. Je peux pas vous faire sortir d'ici. Vous allez me faire sortir, j'en peux plus, moi. J'en peux plus, vous croyez que je vais pas me servir de ça, vous entendez? Deux fois que vous menacez, monsieur Gerbeau, je commence à vous prendre très au sérieux. Je vous trouve tout à fait capable de tuer, y compris un pauvre gosse. Ah ouais? Ouais, je ne suis bon qu'à ça, moi. Tuer les gosses, je ne sais faire que ça. Je croyais pas que c'était vous, mais vous m'avez convaincu du contraire. J'avais gardé un autre souvenir de vous, monsieur Gerbeau. Ouais, celui-là, le Gerbeau que vous avez connu, il est mort. Mort et enterré. Arrêtez de faire du sentimentalisme, Larieux. Vous avez tué Benoît Rochal? Oui. Oui? Oui, 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 je vous dis oui. Pourquoi? Pourquoi? Demandez-moi comment, ça n'a aucun intérêt, pourquoi? Allez, au-delà du pourquoi. Il n'y a pas de pur mobile, vous le savez bien. Il y a l'esprit des choses et leur aspect matériel. Alors faites la différence. Je veux simplement savoir pourquoi, c'est si compliqué que ça? Non, c'est absurdement simple. Aussi absurde et simple que votre interrogatoire. Mais répondez-moi, bon sang! Cette nuit-là, j'avais bu. Bu et rebu. À un moment, je me suis réveillé, j'avais la sensation que j'étais pas seul. Comme je ferme jamais la baraque, j'ai ouvert les yeux, et là, je les ai vus. Ils étaient sur moi, ils me tenaient les bras. Qui, ils? Ça, je sais pas. C'était comme des présences silencieuses, des sortes de fantômes. Avec de l'envoile et qui ne disait pas un mot. C'est ça. Des fantômes, hein? Oui. Oui, des fantômes qui en veulent aux vivants. Ça suffit, monsieur Gerbeau. J'en ai marre, marre de vos délires. Moi, des fantômes, j'en connais qu'un. C'est celui du petit Benoît. N'approche pas! Pitoyable pantin! Valet de la répression! Vous savez régner par la force, hein, par l'arbitraire. Vos matraques ne sont que les hochets de votre insignifiance. Allez, allez, venez jouer avec. Marque-moi ce mec, c'est un vrai dingue. Oh, oh, avance, oh, avance, calme, avance, calme. Avance. La prochaine fois, madame le juge, c'est le mitard. C'est de votre femme en Italie, vous les avez? Non, pas ça. Laissez tomber ça. Vous savez bien qu'on les retrouvera. Foutez-leur la paix. Laissez-les tranquilles.
nous est fou, t'as encore l'air complètement bouleversé. Toi, il a tellement compté pour toi, ce Gerbeau? Un peu qu'il a compté pour moi. Quand j'avais 17 ans, c'était le prof le plus passionnant que j'ai jamais eu. Au bout de 10 minutes de ses cours, on prenait plus de notes tellement on était fascinés. Donc, on n'aurait pas été un petit peu amoureuse par hasard, hein? Ah non, très amoureuse. Non mais rends-toi compte, il était comme un père idéal. Il comprenait nos élans, il les sublimait, en fait, il savait nous donner des repères. Quand est-ce que tu vas parler de moi comme ça, hein? Toujours aimable. En tout cas, ton Gerbeau est très fort pour donner l'échange sur sa vraie personnalité. Son vrai plaisir, c'est toujours de provoquer les gens au maximum. Un peu comme toi, d'ailleurs. T'as bien appris la leçon. Mmh. Mais dis donc, quand est-ce qu'on dîne? Pourquoi t'as encore faim? On vient de déjeuner ensemble. Non, mais déjeuner, c'est pas dîner. Un vrai dîner ensemble, avec une soirée. Enfin, du temps devant nous, tu comprends. Et depuis le temps, tu devrais le savoir, je mange jamais le soir. Oh non. C'est bête, toi. Bon, bah écoute, moi, je suis là, hein. Je t'attends, si tu veux dîner. Je lâche qu'à 8h. Si tu veux. Voilà, monsieur. Michel Poncet au téléphone. Écoutez, je viens de tomber sur votre carte. Le cas de Benoît Rochal. J'aimerais en discuter un peu plus avec vous. Vous pouvez passer me voir au palais? C'est-à-dire que j'avais pensé plutôt vous inviter à en parler dans un bon restaurant. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord. Je passe vous prendre à 20h chez vous. Bonsoir. À demain. Au revoir. C'est génial, vous faites peur aux gens les plus puissants et c'est là-dedans que vous travaillez. Vous voulez vous asseoir à la place d'un juge? Allez-y. Et vous êtes combien en France? On est environ 600. C'est vous? Eh ben pour moi, la justice, c'est comme un jeu d'échecs. Tout le monde peut mentir, jouer un rôle, en changer éventuellement, ruser, tricher. Oui. Sauf qu'à la fin de la partie, c'est pas toujours échec et mat. Il y a des fois des années de prison. Et vous, Raphaël, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Oh, moi, je veux être comédienne. En ce moment, avec la bande, on est en train de travailler une pièce du théâtre grec. Vous connaissez Échille? Oui, j'ai connu. Enfin, j'ai pu. Oh, c'est hyper impressionnant, parce que chez les Grecs, les dieux jouent avec les humains. Ils inventaient des situations, puis après, c'était aux humains de se débrouiller tout seuls. C'était des dieux cruels, pervers. Mais non, ils étaient justes. Simplement justes. Dites-moi, Raphaël, vous qui les connaissiez bien, c'était sérieux, Claire et Benoît? Peut-être de son côté à lui, mais elle, non. Ah ouais,
Elle me dit le contraire. Elle vous a pas parlé de Thomas. Pourtant, c'est de lui qu'elle est amoureuse. Pas de Benoît. Le soir où ça s'est passé, Thomas et Benoît se disputaient à propos de Claire. Il était encore amoureux d'elle et il voulait revenir avec elle. Finalement, ils sont partis tous les deux ensemble, avant nous. Benoît et Thomas sont partis ensemble? Oui. Pourquoi c'est important? Donnez-lui le mannequin, s'il vous plaît. Bon, alors, c'est à l'intérieur, c'est chez vous, vous l'avez assommé? Sans doute. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi était-il venu vous voir? Qu'une idée. Benoît assommé, vous l'emmenez au bord de la rivière. Vous pouvez nous montrer comment vous l'avez transporté? Qu'est-ce que je fais, là? C'est vous qui savez, monsieur Gerbault. Comment vous l'avez transporté? Bon, alors allons à l'endroit où vous avez tué Benoît Rochal. Venez! Ensuite, qu'est-ce que vous faites? Donnez-lui les outils, s'il vous plaît. Venez ici, monsieur Gerbault, agenouillez-vous et montrez-nous. Qu'est-ce que vous faites avec vos outils? Vous avez frappé Benoît Rochal à la poitrine, au cœur, pour être précise. 9 fois. Voilà, vous avez frappé 9 fois. Refaites les gestes, monsieur Gerbault. Refaites les gestes. Refaites les gestes. Vous ne pouvez pas? Vous ne pouvez pas? Vous ne voulez pas? Veuillez noter que M. Gerbault refuse d'expliquer comment il a entraîné Benoît Rochal là où on a retrouvé le corps, de la même façon qu'il refuse de refaire les gestes par lesquels il a poignardé Benoît. Je ne refuse pas, je ne sais pas, je ne sais rien! J'ai fini. Vous pouvez emmener le prévenu. Dépêchez-vous, embarquez-le. C'est quand vous voulez, là, hein. Allez, monte là-dedans. Ouvre la porte. C'est un allumé total, ce mec, je vous le dis, moi. Voilà. Allez, ça suffit, on rentre. C'est pas vrai, ça! Je me suis encore gouré, là! Mais c'est ce tracteur aussi, là! Qu'est-ce qu'il fout, là? Qu'est-ce qu'il fout, là, ce tracteur? Attendez, attendez! Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi, cette maison? Ça? C'est la maison de l'explorateur! Enfin, c'est comme ça que tout le monde l'appelle, ici. Un mec qui visitait l'Afrique, l'Asie, s'appelait de la vigne. Paraît qu'il était célèbre à l'époque. Personne n'habite, y a pas d'enfant, pas d'héritier? Si, un neveu en Amérique, je crois. C'est encore une propriété privée, mine de rien.
Et vous savez, chaque cadavre a sa propre histoire. C'est un peu comme un puzzle qu'il faut reconstituer. C'est passionnant. Ah oui? Non, vraiment, c'est passionnant. Oh, c'est d'un romantisme. Et alors, le cadavre du petit Benoît, il vous raconte quelle histoire? Non. Il nous raconte. C'est pour ça que je voulais absolument vous voir. Ah bon? Uniquement? Sur la peau du petit Benoît, j'ai retrouvé des traces de pigments ou de colorants, je sais pas exactement. Je l'ai fait envoyer au labo. Ça pourrait peut-être vous aider. Ah oui. Sûrement, oui. Mais Gerbeau, vous pensez qu'il est vraiment innocent? Je sais plus ce que je pense. Vous étiez là, la reconstitution. D'un côté, tout l'accuse. Enfin, je veux dire, sa présence, ses empreintes. Il a aucun alibi. Et d'un autre côté, il est d'un mutisme confondant. Vous trouvez pas? Enfin, moi, j'ai un sacré doute. Mais Florence, vous vous êtes demandé pourquoi Benoît Rochal? Mais j'arrête pas de me la poser, cette question. Ça m'énerve à chaque fois que j'ai la réponse à portée de main, elle me file entre les doigts à chaque fois. Un peu comme ça. Bon, alors, à notre histoire. C'est dans la cagnotte, on voulait. Pardon. Vous connaissez docteur Poncet, docteur Stam? Ça va? Ça va? T'as surmonté ton anorexie? Non, je dis ça parce qu'elle a horreur de dîner habituellement. C'est une véritable épreuve pour elle. Ah bon? J'ai l'impression qu'elle l'a surmonté. Le secret était dans le choix du vin. Bonsoir, docteur. Stern. Bonsoir, docteur Stern. Bonsoir, François. Le choix du vin? Dire quoi? Bah alors, mais vous étiez où hier soir? J'essayais de vous joindre, moi ça répondait jamais. Je peux vivre sans vous, oui. Ah ok, ok. Bon, et ça va servir à quoi de mettre les mômes face à Gerbeau, là? Ils sont même pas cités dans le dossier. Oh pardon, bonjour maître. J'ai ma petite idée, comme ils racontent pas tous la même histoire, c'est un moyen comme un autre d'en savoir plus sans faire de vagues, voilà. Ok, ok, ça concerne pas vraiment Gerbeau, quoi. Je peux vous donner un conseil, la marmaille de notable pour un juge, c'est jamais bon, franchement. Je peux vous en donner un autre? Je sais ce que je fais, d'accord? Okay, okay. Au fait, hier soir, c'était pour vous dire que j'ai eu l'office criminel à Rome. Ils vont pas tarder à nous envoyer quelque chose sur la femme et le fils de Gerbeau. Ils sont où à Rome? Après vous. Bah, ce qu'on sait, c'est qu'ils ont quitté Poitiers pour Rome en 87. Entrez, jeunes gens, nous allons pointer les présences. Installez-vous devant le bureau. Alors, nous avons Raphaël Fauvet-Colombin. Claire Monécal. Oui. Aline Angot. Ouais. Sophie Chevaux. Oui. Et Catherine Galtier. Pierre Ridois. Pierre Ridois. Oui, c'est moi. Bah, allons. Gilles Tourner. Faisons. Sébastien Flambé. Oui. Et Thomas Verdet. Ouais. Nous attendons Madame le juge. Installez-vous sur les chaises au fond. Elle ne va pas tarder. Bonjour. 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 Vous pouvez le détacher, s'il vous plaît? Je vous ai demandé à tous de venir parce que je voudrais être certaine d'une chose. À un titre ou à un autre, M. Gerbeau, ici présent, a-t-il un jour croisé votre chemin? Ouais. On traînait souvent en ville à faire la manche. Il y en a qui sont sympas, mais lui, personne ne lui parlait. Il était trop sale. Ah oui, puis vraiment trop clodo. Puis il a disparu avec les autres SDF quand mon père les a virés du centre-ville. Bande de petits cons. Bon, moi, j'étais plutôt d'accord avec ton père cette fois-là. Ah oui. Mais voyez-vous, je ne trouve pas que l'odeur soit meilleure en ville depuis que les SDF n'y sont plus. Bon, essayez de penser à quelque chose, à un souvenir, à une parole, à un fait, même en apparence mineur, qui pourrait expliquer le geste de Gerbeau. Vous n'avez rien vu, rien entendu de particulier, non? Quant à vous, monsieur Gerbeau, vous n'en reconnaissez aucun. Bien entendu. Bon, nous n'y reviendrons plus. Alors maintenant, il y a autre chose que je voudrais comprendre. Vous m'aviez bien parlé d'une dispute avec Benoît parce que vous vous êtes refusé à lui. Ben, c'est la raison que vous m'avez donnée. C'est vrai. D'accord.
Et quelques heures après, on retrouve Benoît à 6 km de là, mort au bord de la rivière devant la cabane de Gerbaud. On est toujours d'accord? Oui? Je veux savoir ce qui s'est passé dans cet intervalle. J'en sais rien, moi. J'en sais rien du tout. Êtes-vous sûr que ce n'est pas plutôt entre Benoît et Thomas qu'il y a eu une dispute ce soir-là, et peut-être même à cause de vous? Entre Benoît et Thomas? Bon, oh, attendez, c'est quoi ce bobard, là? D'où vous sortez ça? On se calme, là, on se calme. J'ai jamais rien eu entre Claire et moi, rien du tout. Ah bon? Bah alors quelqu'un ment ici. Parce que moi, on m'a dit que Claire était amoureuse de vous, et que vous êtes partie avec Benoît ce soir-là, après vous êtes disputée. Mais non, putain! Qui vous a raconté ces conneries, là? Qui? C'est moi, Thomas. C'est moi qui ai parlé au juge. Bravo, je crois que vous avez mis le doigt où ça fait mal. Le petit Verdet, il était pas content. Je suis absolument sûre qu'il s'est passé quelque chose entre eux ce soir-là. Attendez, Benoît et Verdet, ça aurait pu mal tourner? Où est-ce qu'ils vont au lycée, tous ces jeunes gens? À Saint-Augustin, évidemment, là où vont tous les gosses de la bonne société. Hein. Bon, alors demain, on va aller se renseigner à Saint-Augustin. Hein. Juste nous deux, rien d'officiel. Ok, à demain. Hein. Dire à la juge que Claire est amoureuse de moi, toi. Il fout dans la merde, là, putain. Ça va, j'ai été prise de court, ok? De toute façon, c'est la vérité, tu t'es engueulé avec Benoît, et à cause d'elle. Non, mais t'es barge, toi, qu'est-ce que ça vient foutre dans l'affaire, ça? Puis de quoi je me mêle, là? Et que ça te plaise ou non, je me mêle de ce qui me regarde, ok? Bon, vous allez pas vous disputer, c'est moi qui ai fait une connerie, ok? Mais il me cherche, ça fait longtemps, je vais pas me coucher devant lui, attention. Peut-être te coucher devant le juge, alors. Mademoiselle, s'il vous plaît. Vous êtes vraiment cons, tous les deux, hein? Vous êtes incapable de faire face au moindre imprévu! Claire! 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 Tu vois, c'est ça ton problème, Thomas. T'as pas de nerfs, tu paniques. Tu fous tout le monde en danger. Regarde-moi, je suis là. Je contrôle. J'assure. Cool. Vous croyez vraiment que Gerbaud n'est pas le vrai coupable? J'ai des doutes très sérieux. Je comprends. Il n'a pas le profil d'un criminel. En même temps, il y a ses empreintes qui l'accablent. Cette vie de marginal, l'alcool. La violence du personnage, maintes fois démontrée. Tout ça, c'est du solide. Non, ça paraît solide, mais ça résiste pas à l'examen. Surtout pas après la reconstitution. Je vais mener des investigations supplémentaires auprès des amis de Benoît Rochal. Vraiment? J'ai reçu plusieurs coups de téléphone. On s'étonne que vous n'ayez pas encore bouclé le dossier. Moi, ça m'étonne pas. Mademoiselle Larieux, c'est vous qui avez insisté pour vous charger de ce dossier. À vous de le mener à bien, dans les meilleures conditions. Oui. Colas! 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 Eh, hey, elles sont pas mignonnes, là. Oui, faites gaffe, détournement de mineurs, ça va chercher très loin. Oh, mais vous savez, j'ai toujours été un peu chaud, moi. C'est pour ça qu'on m'a appelé Colas. Chaud, Colas. Oh, ouais. C'est excellent. Excellent. Ah. Vraiment? Bon, je crois que c'est par là. Non, vous croyez? C'est évident. Je vous en prie. Au revoir. Pardon, vous disiez? Je vous parlais de Thomas Verdet. Ah oui, un bagarreur, hein, bagarreur. Mais excellent élève, avec petite faiblesse en anglais, mais sinon, non, rien à signaler. Un cursus sans histoire. Et ce garçon a de l'étoffe. Hein. Et c'est de famille, parce que vous savez que son père est un chirurgien très renommé.
Et Claire Monéquel, qu'est-ce que vous pouvez me dire d'elle? Ah, vous saviez que... Oui, qu'elle était la petite amie de Benoît. Enfin, oui, enfin, d'après mon fils, parce que mon fils, il dit un peu les petits potins de l'école, elle était aussi celle de Thomas Verdier. Enfin, jusqu'aux dernières vacances. Et ce n'est qu'après qu'elle s'est tournée vers Rochal. Au moins, vous êtes bien renseigné, ça oui, va. Oui, c'est mon fils. Et Thomas, il a pris ça comment? Ben lui, il l'a plutôt mal pris. Mais c'est une drôle de petite bande, hein. C'est totalement impénétrable. J'ai rarement vu ça au cours de ma carrière. Ce sont des jeunes qui ne se mélangent jamais aux autres. Vous avez parlé avec leurs parents? J'ai essayé, mais ce sont tous des gens importants, très occupés. J'étais surpris d'ailleurs que la police ne vienne pas me voir à propos de Rochal. Enfin, vous au moins, madame le juge, vous êtes déplacée. Merci beaucoup, monsieur le procureur. Je vous en prie. Merci. Au revoir. Merci bien. Monsieur. Au revoir. Un conseil. En sortant, voyez donc notre concierge. Il a une histoire intéressante à vous raconter à propos de Rochal et de Verdet. D'accord. Voilà. Merci. Je vous en prie. Au revoir. Il était 2h du matin, j'entends du bruit. Je me suis levé, j'ai mis ma robe de chambre et je suis venu ici. Et ils avaient fracturé la porte. Alors je suis entré. Et alors, j'ai regardé dans la salle et j'ai vu tout de suite qu'il manquait Arthur. C'est qui Arthur? Arthur, ben, c'est notre squelette. On l'a toujours appelé comme ça. Et tout à coup, j'entends du bruit dans la cour. Alors j'ai couru pour voir. Et je suis tombé sur Verdet et Rochal. Ils étaient venus pour ramasser les derniers morceaux d'Arthur. À la place, c'est moi qu'ils ont trouvé. À savoir où il est maintenant. Monsieur Gerbault, je vais vous présenter les faits qui vous accusent tels que je les ai reconstitués. Probablement au cours d'une crise d'éthylisme aiguë, vous avez assassiné Benoît Rochal avec une rare sauvagerie. Puis vous vous êtes endormi pour cuver votre alcool et vous n'avez même pas pris la peine de bien dissimuler les instruments du crime puisque l'on a retrouvé vos outils dispersés aux alentours. Ce qui démontre bien que vous étiez dans un état d'incohérence totale. Vous avez quelque chose à rajouter, maître ? Non, madame le juge, non. Votre construction séduisante est bâtie sur du vent, poussière... Poudre aux yeux, hein? Est-ce que cette maison vous dit quelque chose? Non, ça ne me dit rien. Vous mentez. J'ai retrouvé cette photo dans un de vos livres et vous y figurez sur cette photo. Là. Monsieur Gerbault, depuis le début et malgré votre attitude absurde, j'ai été d'une patience immense avec vous. Seulement, je commence à en avoir marre de vos crises, de vos caprices, de votre mutisme. Alors, où vous parlez, ou vous irez tout droit en assise et je ne lèverai pas le petit doigt pour vous. Ça y est, vous l'avez fait. J'ai fait quoi? J'avais gardé le souvenir d'une étudiante douée d'intelligence, de profondeur, de pénétration. Et qu'est-ce que j'ai devant moi depuis 10 jours? Une caricature. Mais là, je vous retrouve. Vous vous êtes révolté, vous avez enfin tué le maître, vous êtes libre. Ça suffit, monsieur Gerbault, vous n'êtes plus mon professeur. Je vous demande si vous connaissez la maison de l'explorateur, oui ou non? Eh oui. Chez Delavigne, je venais déjà tout gosse avec mon père. Delavigne me fascinait, il avait parcouru le monde entier. C'est lui qui a décidé que j'étais pas fait pour l'action, mais pour la réflexion, et qui m'a encouragé à étudier. Quand j'ai lâché la philosophie... Je suis venu me réfugier par ici. C'était plus fort que moi. Là, je croyais retrouver le temps des possibles, l'enfance. Vous êtes retourné dans cette maison depuis? Oh non, jamais. Mais d'autres peut-être, n'est-ce pas? D'autres qui pourraient avoir un rapport avec l'assassinat de Benoît Rochal, pourquoi pas? Je m'en fous. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Gerbault, avec votre femme et votre fils? Ne venez pas armer tout ça, Florence, vous avez mieux à faire. Même si vous devez passer pour un criminel? Je le suis déjà et plus rien ne peut m'atteindre. Laissez-moi vous aider. Ça va, ma chérie? On t'appelle dans ton assiette? Mais si, maman, ça va. Ah, tu parles.
Dès qu'on aura le dos tourné, ça va débouler de tous les côtés dans la maison. Mais c'est pas vrai. Oh non. Non? Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. T'as vu comment ta mère s'habillait pour la Floride? Bah, elle est très bien. Ah bah, elle va crever de chaud en arrivant. Oh, t'es mignonne. Enfin, bon voyage. Allez, au revoir. Tu vas jeter un coup d'œil à la pharmacie de temps en temps, hein? D'accord. Mmh. Amusez-vous bien. Oui, on va se voir. Avec vous, vous avez le temps de prendre un café? Ouais, si vous voulez. Hein. Vous étiez vraiment très proche de Benoît Rochal, non? Vous voulez un café? Ouais. Je peux avoir deux cafés, s'il vous plaît? Deux cafés. Les autres aussi, ils le connaissaient, en plus. Vous êtes son meilleur copain, vous. Ouais, c'est vrai. Justement, j'aimerais bien que vous me parliez de cette rivalité amoureuse. Vous êtes battu au lycée à propos de ça? Puis il y a eu cette bagarre aussi. Il y a eu cette bagarre au bord de la rivière la nuit où Benoît est mort. Écoutez, on se bagarrait tout le temps avec Benoît. C'est pas pour ça qu'on a tué les gens. Mais enfin, cette bagarre, elle a eu lieu quelques heures avant la mort de Benoît. Moi, je peux rien vous dire de plus. Moi. Mais on n'est pas les choses faciles, hein. Bon, vous m'accusez de quoi, là? Parce que si vous m'accusez, je veux d'abord voir mon avocat, moi, ok? Moi, je vous accuse de rien. Je cherche. J'essaye de savoir qui a tué Benoît et pourquoi. Mais vous avez Gerbeau, putain, ça vous suffit pas? Oublions Gerbeau une minute, d'accord? Et essayez de m'aider. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas osé me dire encore? Vous m'emmerdez, là, d'accord? C'est Danara qui sait tout. Vous avez qu'à lui demander à elle. C'est qui, Danara? C'est qui, Danara? Danara. Promenade. Oui, merci. Pardon, monsieur, je cherche monsieur Stern, François Stern. Mademoiselle Larieux. Mademoiselle Larieux. Excusez-moi. Bonjour. Bonjour. Vous montez, je ne savais pas. Non, pas du tout, je cherche François Stern. Je ne l'ai pas encore vu. Prenons un verre. Comme ça, vous ne serez pas venu pour rien. D'accord. Vous n'avez jamais eu envie de monter à cheval? Ah, non, pas vraiment. Vous voulez une coupe? Non, un café, merci. Comme d'habitude, un café, s'il vous plaît. Alors, votre enquête avance? Je sais, vous ne pouvez rien dire. Monsieur Gerbeau, dites-moi, c'est un véritable monstre, non? Jusqu'au procès, il est supposé être innocent. Je peux vous poser une question, madame Fauvet-Colombin? Liane, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous pensez de cette bande? Enfin, je veux dire, des amis de votre fille. Ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Il y en a même qui ont commencé leur scolarité ensemble, aux filles de la charité. Raphaël et Claire, par exemple. Je ne sais pas si vous avez la même sensation en tant que parent, mais moi, avec eux, j'ai l'impression de me heurter à un mur. Ils font bloc, c'est vrai. C'est au moment de l'adolescence qu'ils se sont enfermés. Raphaël a commencé à m'interdire sa chambre, alors j'ai parlé avec la mère de Claire, avec celle de Thomas. C'était la même chose. Marqué, ils ont toujours très bien travaillé en classe, alors que demander de plus, hein? Vous avez parlé de la mort de Benoît avec votre fille? Pas un mot, rien. Je sais qu'elle a été traumatisée. Raphaël n'a jamais été très expansive. C'est quelqu'un qui s'est toujours contrôlé. Ça me faisait peur. Vraiment peur. Excusez-moi, mais je dois y aller. Merci pour le café. Vous avez vu le petit Verdet, je crois? Son père était furieux.
Faites attention, il pourrait vous nuire. Il a des amis. Très puissant. Très puissant, oui. Raté! T'avais une chance sur deux. T'as vu, t'as un pneu de dégonflé. Mais qu'est-ce que tu fais là? Fallait absolument que je te revoie. C'est vrai? Non, sérieusement, j'ai une idée complètement dingue, il faut que je la vérifie. Quoi, laquelle? Mais viens, tu verras. On prend ta voiture, je suis venu en taxi. Okay. Hey, comment t'as su me retrouver? Y'a pas que toi qui as des amis flics. Bien fait de m'en parler de cette maison. Le type qui habitait ici, de la vigne. Tu m'as dit qu'il était souvent allé en Afrique. Bah oui, et alors quel rapport? Peut-être aucun, mais il y a quelque chose qui me travaille par rapport à cette poussière retrouvée sur les vêtements de Benoît Rochat. Arrête! L'explication est peut-être là. Mais on peut pas rentrer comme ça, c'est complètement illégal. Mais on va gagner un peu de temps, allez, viens. Ça s'en mire pas. Viens, regarde. Et viens. Ça va? C'est rien. Mais viens, viens. Tu sais, j'ai un beau, il m'a avoué qu'il passait ses vacances ici quand il était enfant. Alors, en fait, il était complètement fasciné par la personnalité de la vigne. On marque, il y a de quoi. Trouvé sur le corps du petit Benoît Rochat. T'es sûr? Oui, on l'utilise en Centrafrique pour la teinture. Tu vois, j'avais raison avec tous ces voyages de l'ancien propriétaire. Ça ne pouvait provenir que d'un seul endroit. Ici. Alors attends, ça veut dire qu'on aurait pu tuer Benoît dans cette maison? Transporter son corps à l'extérieur, alors? En plus, il y a des fantômes. Des quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Des fantômes. Mais oui. Mais bien sûr qu'il y a des fantômes. Viens. Attends, tu veux bien m'expliquer? Je comprends pas tout, là. Attends, attends, je te raconte. Les bougies, le squelette, les fantômes, l'assassinat de Benoît et Gerbo au milieu de tout ça, c'est évident qu'il y a un point commun. Évident. Ça me rappelle quand j'étais ado. Tolkien, le Seigneur des Anneaux, vous connaissez pas?
Enfin bon, bref. J'étais simple domestique. C'était marrant au début, mais alors après, j'en ai eu marre. Attendez, j'ai passé mes nuits à courir dans les bois après les génies, à boire les saloperies préparées par la sorcière, je vous dis pas. Je veux bien, moi, avec une sorcière. Oui, bah. Mais putain ! Mais ouais ! Mais attendez, mais ouais, mais c'est ça ! C'est quoi, c'est ça ? C'est ça, mais ça crevait les yeux ! Souvenez-vous, au cimetière, leur geste avec la fleur, c'est un signe secret. Comment dire, c'est ça qui permet d'identifier les participants au jeu. C'est un peu comme les membres d'une société occulte, vous comprenez ? Mais oui, c'est ça le rapport entre eux. Un jeu de rôle. J'ai un éclair de génie par an, c'était aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe ? Dis donc François, Gerbeau, il t'a dit à toi aussi qu'il avait vu des fantômes la nuit où Benoît est mort. Oui. Alors écoute, si ces fantômes étaient des participants à un jeu de rôle... Ah, et dans leur jeu, ils auraient transporté le corps de Benoît Rochal jusque dans la baraque de Gerbeau pour le faire accuser ? Mais je sais pas, c'est inconcevable. En théorie, non. J'ai traité des ados l'année dernière à ce sujet. Et tu sais, les ados structurent souvent leur personnalité autour du personnage qu'ils interprètent dans le jeu. Alors, certains s'identifient tellement qu'ils n'arrivent plus à distinguer le vrai du faux. Pour peu qu'il y ait un leader un peu fort, c'est vrai qu'il passe facilement de la fiction à la réalité. Ouais, et comme ça, ils font les choses les plus horribles du moment que ça reste dans le jeu. Mais tout de même, de là à assassiner quand même... Merci, merci François. Salut. Ah bon? Deux étages. Elle est sérieusement amochée, mais elle va s'en sortir. Merde. Ses parents sont en Floride, on est en train d'essayer de les joindre. Quoi, elle était toute seule? Eh oui. Mon Dieu. Et dites-moi que là, si on avait agressé Claire parce qu'elle voulait sortir du jeu, non? Ah, peut-être qu'elle s'est suicidée parce qu'elle supportait pas la mort de Benoît. Les mots d'adieu sur ordinateur, il y a que les flics véreux qui veulent bien y croire. Hein. À quoi vous pensez? Moi? À rien. Rien du tout. Cette gamine, elle était mal dans sa peau, c'était visible. Oh là, c'est psychédélique, ça. L'envol d'Andara. Ça vous dit quelque chose, Andara ? Ça ? Pas vraiment, non ? Ça a peut-être un rapport avec leur jeu. C'est bon, mais c'est... Je comprends pas, depuis la mort de Benoît, elle allait pas bien. Elle arrêtait pas tout le temps de dire que je sais pas qu'elle en avait marre, j'ai pas compris, j'ai pas su quoi faire. J'ai pas su lui dire quoi que ce soit. Calmez-vous, calmez-vous et asseyez-vous, justement, je voulais vous parler. Allez bien, Raphaël. Tu n'as rien à faire ici. Et vous non plus, madame le juge, je pense que vous n'avez rien à faire dans cette maison. Ça, c'est mon affaire, cher monsieur. Justement, je crois que ça ne l'est plus. Vous comptez impressionner qui comme ça ? Imaginons que vous avez vu des fantômes cette nuit-là. Enfin, des gens qui paraissent être des fantômes. Imaginons qu'ils viennent de la maison de Delavigne. De la maison de Delavigne où ils ont assommé Benoît. Puis, ils transportent son corps encore inconscient jusqu'à votre terrain, votre baraque. Ils utilisent vos outils pour l'assassiner. Ils vous prennent les mains pour imprimer vos empreintes sur le ciseau et le marteau. Et là, vous vous réveillez. Ils sont donc obligés de prendre la fuite. Et dans leur fuite, ils dispersent vos outils. Ça se tient. Vous avez dit, imaginons. Vous n'avez aucune preuve. Les hyènes vont hurler. Allez, je suis un coupable idéal, ça arrange bien tout le monde. Monsieur Morin, vous allez appeler monsieur le procureur. Je vais recommander le classement du dossier avant qu'on m'enlève l'affaire. Pour moi, vous êtes innocent. C'est drôle, vous ne posez jamais aucune question sur ces jeunes qui vous ont piégé. Vous les connaissez, vos fantômes? Non. Si, vous savez. Je vous dis que non, merde. Vous savez depuis le début. Mais pourquoi vous vous laissez accuser? Pourquoi vous faites ça? Laissez ma vie tranquille, elle ne vous concerne pas. Je m'en fous de toutes ces histoires.
Je m'en fous de ce qui peut m'arriver. Vous comprenez? Accusé, condamné, pour moi ça n'a aucun sens, aucun. Et maintenant, laissez-moi retourner dans ma cellule et faites ce que vous avez à faire. Vous pouvez appeler les policiers, monsieur Morin. Vous voulez vraiment pas vous en sortir, hein? Il faut absolument que je vois ce tableau. Ah ben, je vous accompagne. Ah ben, vous ne cassez pas, c'est ouvert. C'est des trucs, putain. Quel truc? Journal de Claire. Pourquoi, vous avez peur qu'on y découvre quelque chose? Que vous l'avez balancé de son balcon, par exemple? Mais moi, ça va pas ou quoi, là? C'est ça, ça va pas. Et Benoît Rochelle, vous y êtes toujours pour rien. Mais non, putain, j'y suis pour rien. Mais écoutez-moi, c'est grave, ce que vous faites, c'est grave! Qui donne des ordres? Qui dirige le jeu? C'est vous? Vous m'entendez, Thomas? C'est vous? C'est putain, criminel! Rochelle, putain! Vous avez pas compris que c'était elle? Elle est devenue folle, elle s'arrêtera jamais, jamais elle s'arrêtera. Qui est Landara? Mais Andara, c'est... C'est Danara, c'est ça? C'est un anagramme? Mais tu vas nous répondre, là? C'est ça, Thomas? Mais... On est là. Cola, donnez-moi mes clés. Je retourne voir cette maison. Quoi, toute seule? Non, 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 c'est hors de question, c'est dangereux, merde. J'ai besoin d'en savoir plus, donnez-moi mes clés. C'est pas vrai, ça. Vous ramenez Thomas au palais, vous venez me rejoindre. Allez! Je parle à présent sous l'autorité d'Andara. La juge se présente comme Florence Larieux, mais c'est Atrouza. Elle est la fille de Sorok, notre ennemi, et elle veut nous détruire. Au début, le jeu, c'était plutôt rigolo. On se donnait des noms, des fonctions. Moi, j'étais Bantor, le chef de guerre. Benoît, c'était Valdai. C'était l'envoyé spécial d'Andara, le diplomate chargé de négocier les traités. Qui est Andara? Thomas, qui est Andara?
Et Raphaël? Raphaël Fauvet-Colombin, la fille du maire? Ah, bah ça va faire un sacré raffut, dis donc. Je comprends maintenant pourquoi la juge voulait qu'on reste discret. Raphaël, dès qu'elle devient Dara, elle change complètement. On dirait que quelqu'un d'autre est rentré dans sa peau. Ça fout les jetons, elle a même une autre voix. Et Benoît? Il est mort comment, Benoît? À un moment, ça a commencé à mal tourner. D'après le jeu, on était en guerre avec le royaume d'Opale. Dara, enfin Raphaël, elle voulait toujours aller jusqu'au bout. Elle a dit que Valdao, Benoît avait trahi, qu'il travaillait pour nos ennemis. Alors elle l'a condamné à mort. Il fallait exécuter le traître. Et vous l'avez tué? Je sais pas où elle met les pieds, là. Notre empire est menacé par des esprits néfastes. Quiconque désobéira sera châtié. Andara a décidé de relancer le jeu. Nous allons faire une cérémonie de purification. Il faut nous débarrasser d'Atrusa, la juge. Elle ne s'incline devant personne, même pas devant Andara. Mais voyons, depuis quand vous dirigez ce petit jeu ridicule? Andara a tout dirigé, depuis le début. Elle leur a donné leur nom, leur fonction. Jana, Valda, Yakom, chef de guerre, princesse de sang, ambassadeur, elle les a créés. Ils sont à elle. Et Benoît Rochal était à elle aussi? Valda était l'envoyé spécial d'Andara. Il voulait échapper aux lois d'Andara. Il connaissait le prix de la désertion, il a accepté son châtiment. Chacun lui apportait un coup, ainsi tous étaient solidaires. Andara avait pensé à tout, un coupable avait été trouvé, mais toi, Atrusa, tu es venu contrecarrer les plans d'Andara. Mais Raphaël, ça suffit enfin! Mais vous êtes pas Andara, je suis pas Atrusa, qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Atrusa, tu dois mourir. Quoi? Elle doit mourir, n'est-ce pas? Oui, elle doit mourir! C'est ridicule! Mais arrêtez, sortez du jeu, réveillez-vous, mais c'est ridicule! Moi, je suis pas Atrusa. Je suis juge d'instruction. Mais je vous connais, je vous ai tous vus. Aline, Pierre, Sébastien. Mais vous vous rendez compte de ce que vous faites? Arrêtez, mais arrêtez, le jeu est terminé, c'est fini. C'est moi qui décide quand le jeu est terminé. Arrête, Raphaël, arrête maintenant, arrête. Je t'attendais depuis longtemps, Atrusa. Je savais pas sous quel trait tu te présenterais. Je t'ai envoyé Valdaï et tu l'as corrompu. Tu l'as retourné contre sa souveraine. Mais ils me sont tous restés solidaires. Tous. Sauf Valdaï, que j'ai exécuté à mort. Écoutez-moi, s'il m'arrive quelque chose, vous serez tous complices, tous! Et vous allez passer des années en prison, des années, et vous m'entendez, Raphaël? Arrête! Fais-lui boire. Arrête, Raphaël, arrête. Fais-lui boire, Jana. Oui. Ça suffit, Raphaël. On arrête, c'est fini. Quoi? Toi, une simple dame de cour? T'es devenue folle ou quoi? Tu discutes l'autorité d'Andara? Oh.
arrête tes conneries, là. Formidable, Colin. Mieux vaut tard que jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Un jeu de rôle. En pleine ambulance. J'ai cru comprendre qu'elle avait déjà eu quelques problèmes il y a longtemps, mais la famille en avait caché la gravité. Ah bon? Surtout la mère. Et puis qui pouvait penser qu'on en arriverait là? Tu veux dire que Raphaël ne savait pas ce que faisait Andara et inversement? Deux personnalités totalement différentes et qui s'ignorent l'une l'autre. Raphaël est innocente de la mort de Bonheur Rochal, ou de ce qu'elle peut arriver à sa meilleure amie Claire. Elle sera d'ailleurs presque certainement déclarée irresponsable, en tout cas par les psychiatres. Alors là, c'est facile. Les autres aussi vont s'en tirer comme ça? Ici, ils sont quand même mis à plusieurs sur Benoît. Mais non, ils seront jugés pour complicité. Mais personne passera en jugement, vous verrez. Trouveront un pauvre connard pour porter le chapeau et tout le monde sera content d'enterrer le dossier. Oui, et ben ça, ça reste à voir. On y va? Quelle folie. Ce matin, grâce à vous, non? Florence, je vous dois quelques explications, non? Non, enfin, je sais. Enfin, j'ai appris il y a quelques jours pour le suicide de votre fils. Je suis désolée. Eric, c'est mon échec. Ça avait aidé pas mal de jeunes à démarrer dans la vie, à essayer de comprendre le monde qui les attendait. Et avec mon propre fils, j'ai échoué. Il n'a pas supporté le divorce, il m'a appelé au secours, et là, c'est moi qui n'ai pas compris. Après, difficile de continuer à vivre comme si rien ne s'était passé. Pourquoi vous m'en avez jamais parlé? À partir de là, plus rien n'a de sens. Je me suis mis à haïr toutes ces théories philosophiques qui ne m'avaient pas aidé à garder mon gosse. J'ai tout lâché. Et après, la dégringolade, le toboggan, ça va si vite. Quand est-ce que vous allez décider à enseigner de nouveau? Vous êtes fait pour ça? Non. Vous êtes un professeur merveilleux. Non, c'est terminé. Florence, et puis, tailler la pierre ou faire de la philo, c'est à peu près la même chose. Vous le découvrirez un jour. Il s'agit de façonner la matière. Non. Je vais plutôt essayer de profiter d'une nouvelle élan que vous m'avez donnée. Et... Il paraît qu'il y a de l'embauche du côté d'Evry pour des tailleurs de pierre. Je vais aller jeter un coup d'œil par là. Au revoir, Florence. Quant à la vie normale, tout est dans la définition du mot normal. Sujet de disserte, vous vous souvenez? Je vous avais mis un 18, non?